like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Destroyed.
salut Matt. Élevage Silver Mice, j'espère que je le dis bien. Ouais. Ouais, ok. Alors, tu vois, la question que j'aime poser, c'est pourquoi ce nom d'affixe ? J'ai envie de savoir l'histoire de Silver Mice. D'accord. Car j'ai voulu faire un petit clin d'œil à mon mentor, qui a donné le nom de son élevage à son quartier de naissance. Et donc, j'ai fait la même chose. Donc, je suis du Moulin d'Argent, de Pornichet. Et donc, je l'ai mis en anglais pour que ce soit un petit peu plus fun. Et voilà. Ok, super. Très intéressant de savoir ça. Je savais pas ça. Je me suis toujours posé la question, d'ailleurs. Alors, la deuxième question, c'est... quel chien t'a marqué ? Ou les chiens qui t'ont marqué, c'est plus simple. Un peu tout ce qui a été créé. Je suis très typé White Rock, donc il y a beaucoup de chiens qui me plaisent en White Rock en fait. Ok. Donc c'est très très large. Je peux pas. Pour moi, il n'y a pas de chien parfait ou c'est un peu au goût de chacun. Donc moi, c'est vraiment le type White Rock qui me plaît. Il y a eu beaucoup de spécimens chez White Rock qui m'ont plu. Beaucoup de créations de Diaz ou de Scram et des White Rock purs. Je dirais, pour moi, c'est un chien de chez mon mentor qui m'a tout appris. Je dirais Pacha de la Missaudière. D'accord. En français en tout cas. Et puis je trouvais que c'était un chien exceptionnel parce que lui, je l'ai vraiment côtoyé. Pour moi, un peu le chien parfait, en fait, sans peur, vraiment typé White Rock, la couleur que j'aime, le tempérament que j'aime, la puissance que j'aime. Et après, Lone Star Dallas, mais après, c'est compliqué de juger un chien qu'on ne connaît pas parce qu'il pourrait avoir un esthétique qui différent. Nous plaît en photo, et c'est très trompeur, les photos en plus, et un tempérament qu'on n'aime pas. Donc c'est plus facile d'aimer vraiment un chien qu'on a côtoyé, côtoyé, parce que tu le vois souvent, qu'un chien que tu as vu en photo et qui pourrait avoir un caractère qui te plaît pas et te correspond pas en tout cas. Voilà, mais autrement, des Perry the Fridge, Dallas, Green Dandy, Jet Bomber, si on monte à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Je voyais, t'as pris des photos là de... Non. Oui, photos du chien. Tu peux les montrer ? Le chien que je suis fan. Ok. Alors ça, c'est Pacha, c'est ça ? Pacha de la Missaudière ? Ouais. Ouais, un superbe chien. C'est vrai qu'on oublie vite les anciens chiens que nos anciens ont produits. Et c'est vrai qu'ils sont superbes. Ils sont vraiment superbes. Merci, Matt. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et alors, la troisième question, c'est... alors, comment a commencé cette passion ? Parce que c'est une... Raconte-nous un peu l'histoire du début à la fin jusqu'à aujourd'hui. Quand j'étais ado, j'ai pris de passion un petit peu pour les chiens, même si j'ai aimé les chiens dès tout jeune. Mais je sais pas, vers 13-14 ans, je me suis attaché à certains chiens, des bâtards, où il y a eu une grosse complicité. Après, ça m'a tellement passionné que j'ai dressé les chiens presque à l'extrême et tout ça, parce que... Donc j'ai fait je les ai dressés au top des tops des tops des tops. D'accord. Vraiment en type familial, hein, pas. Pas en oui. En, non en... non non ni au mordant, ni ring ni quoi que ce soit. Oh, ouais, d'accord. Mais une grosse complicité familiale, on va dire, et ils ont vieilli. Puis après, j'étais tellement passionné par le chien que j'ai voulu me prendre un chien de race et chercher un peu la race qui pouvait me correspondre. Et puis je suis tombé sur le staff finalement. D'accord. Qui m'a vachement plu. D'accord. En esthétique, en son histoire. Et je suis tombé sur finalement l'éleveur le plus proche de chez moi. Et sans aucun regret, qui m'a tout appris en fait. Et c'est qui cette personne ? C'est monsieur Jacques Destrebecq. D'accord. Et que j'admire énormément son travail, qui m'a beaucoup appris, qui m'a tout appris en fait. Tout appris. Autant des vieux trucs que des combines, que de la génétique et voilà. Donc ça m'a beaucoup apporté et puis c'est avec honneur que je continue un petit peu avec ces chiens tout en essayant de respecter ce travail. Raconte-nous un peu
l'histoire que tu as avec Jacques? Bah, on a pris d'amitié qui a été un peu plus poussée parce que j'étais tellement passionné que j'ai été très très régulièrement chez lui. Donc ça a été autant, ça n'a pas été que sur le chien, ça a été aussi sur la vie. Mmh. Je le considère vraiment comme mon père, donc il m'a énormément appris des choses sur le chien, des choses sur la vie et sur les animaux. Et je sais pas, quoi dire de plus. Et puis un jour ou l'autre, je savais qu'il vieillirait et puis que j'aurais voulu continuer ce qu'il a fait parce que je pense que je n'arriverai peut-être jamais à son niveau. Mais le but, il est surtout de continuer à garder sa lignée et garder le travail qu'il a fait, en fait, par respect pour le travail qu'il a fait. Et Jacques, en fait, c'est qu'on explique bien, c'est l'élevage des Missaudières. Vu qu'on parle de Jacques, je me rappelle, étant gamin, j'avais acheté le Top Dog. Pour les anciens ou ceux qui se rappellent plutôt, le Top Dog spécial Ataxi avec le logo et puis la couverture jaune, si je me trompe pas. Ouais. Voilà, Jacques avait beaucoup donné de sa personne pour l'Ataxi, qui a été beaucoup critiqué. Alors, toi qui as été un peu proche de Jacques, explique-moi tout ça. Bah, après, moi j'ai un petit peu la même vision que lui, qu'il aurait fallu agir déjà à ce moment-là. Et maintenant, je pense qu'on n'en parlerait quasiment plus chez nous. D'accord. Mais il y a encore des gens qui n'avaient pas fait tester leur chien et qui ont continué à faire de la repro avec. Et les ventes de chiens et les portées sont multipliées par à l'époque, peut-être par presque 2,5 ou 3. Donc le coup qu'on a 10 000 chiens, forcément, il y a beaucoup de la maladie assez répandue. Répandue à mort. D'accord. Et que si à l'époque, on avait déjà stérilisé tous les chiens, susceptible d'être porteur, parce qu'il y avait pas susceptible, porteur. Porteur, ouais. Point. Déjà. Porteur ou porteur sain, pour moi je veux qu'elle n'a pas du tout dans mon élevage, pour respecter déjà son travail, parce que ça c'est un grand honneur de continuer le travail de Jacques avec des chiens qui sont 100% sains. D'accord. Et voilà, après il y a des gens qui disent que ça va bloquer. Un patrimoine génétique. Le patrimoine, ouais. Ça veut dire qu'on va avoir moins de spécimens parce qu'on n'utiliserait pas des porteurs sains. Mm-hmm. Moi, je pense différemment. Voilà. Okay. Je pense différemment. Voilà, je respecte le travail de mon éleveur, comment il s'est bougé. Ouais. Il y a des gens, ça fait beaucoup d'histoires à l'époque. Mais je pense que si ça avait été fait maintenant, il ne devrait plus y avoir de chien malade. Il ne devrait plus y en avoir. Donc j'ai attendu très longtemps avant de me lancer, de faire de la repro, parce que je pense qu'il faut être un minimum, savoir où on va, et c'est une décision qui se prend pas à deux fois, en fait. C'est pas à la légère, faut pas prendre ça à la légère. J'ai eu besoin de bien connaître ce que c'était la repro, ce que c'était la consanguinité, et puis être mature, quoi, voilà, vouloir le faire, quoi. Mm-hmm. Parce qu'il faut assumer ses chiens. Il faut assumer. Moi, j'y consacre ma vie. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de responsabilités avec un chien de deuxième catégorie. Donc, faut vraiment y faire attention, quoi. Donc, j'ai attendu très longtemps, oui, 15 ans, avant de faire ma première portée. Ma première portée, je l'ai fait avec Jacques. Pour apprendre, pour savoir les gestes qu'il faisait lui, pour essayer de travailler comme lui faisait, pour bien, en ayant vécu 2 mois et demi chez Jacques, forcément, il y a eu, je dis pas une complicité plus, parce que ça faisait déjà plus de 15 ans qu'on se connaissait, mais on a discuté de, j'ai appris encore plus de choses, en fait. Encore plus de choses, et puis on a vécu ensemble. Moi, ça m'a beaucoup apporté de faire ça avec lui. Puis donc... Et donc après, je me suis lancé tout seul parce que Jacques voulait ralentir suite à trop d'éleveurs, trop d'histoires qui se passent en France, en fait. Le monde du chien, quoi. Le monde du chien, ouais. Le monde du chien, ouais. D'accord. En gros. Et encore plus en France, je pense. Mm-hmm. Voilà. Tout le monde est meilleur que tout le monde a tout fait, tout le monde a tout cassé, et ça, c'est dommage. Et si on était plus solidaires, en fait, dans le monde du chien en France, je pense qu'il y aurait des... on serait impressionné de voir des chiens qui ne tournent pas en expo ou qu'on voit pas, quoi. Qu'on verra jamais. Comme Jacques, il a vendu plein de chiens qui étaient extraordinaires.
qu'on verra jamais parce que c'est pas des gens. Moi, j'ai pas envie de vendre des chiens spécialement qui vont faire de l'expo. Je veux que mes chiens ils soient vendus et qu'ils soient heureux surtout. Qu'ils fassent de l'expo, qu'ils fassent de l'expo. Je veux que ça soit des chiens de famille et surtout que les gens les assument jusqu'à la fin en fait. Ouais. Voilà. Je comprends cette partie-là. C'est clair. C'est ça mon but en fait de vendre des chiens qui me plaisent à des gens qui vont être passionnés. Et c'est vraiment pour le chien en fait. C'est vraiment pour le chien. Moi j'aimerais ces traces, elles me rend dingue en fait. Elles me passionnent. Je pourrais pas vivre sans ça. J'ai vu que tu avais importé deux femelles, c'est ça? Ouais. Une des États-Unis et une d'Italie. Tu peux nous en parler un peu? J'ai ramené des chiens pour avoir un petit peu de nouveau sang, toujours dans ma lignée. Mais d'accord. Pour comme le travail de Jacques était très consanguin et que j'avais pas non plus plein de spécimens de chez Jacques, j'ai voulu ramener un petit peu de sang pour pouvoir retravailler encore la consanguinité après. Ça veut dire réouvrir pour pouvoir continuer la consanguinité parce que moi c'est ça qui me passionne en fait. D'accord. Quand je fais une portée, j'ai envie que ça soit très homogène, que je trahisse pas un petit peu quelqu'un qui va faire quelque chose de pas consanguin ou qui a pas de travail derrière. Il va acheter un chien et en fait ça va être la loterie en fait. Tu sais pas si les chiens vont être beaux, c'est pas parce qu'il y a deux super beaux chiens qui vont produire des beaux chiens. En tout cas moi c'est ce que je pense, je pense que je suis pas le seul à penser. Il y a éleveurs et vendeurs de chiens en fait. Ouais. Il y a les gens qui vendent du chien. Moi le coût de la consanguinité, je pense que c'est les éleveurs qui font de la consanguinité et qui essaient de faire un travail pour fixer un petit peu, pour fixer la beauté des chiens. Moi je sais ce que je produis, quand je produis je promets que je dis telle chose, ça va être pas mal le chien, il va ressembler un peu au père ou à la mère ou à des ancêtres et c'est le cas. Voilà. Et puis c'est ce qui m'intéresse la consanguinité, voilà, de garder mon esthétique de chien. Parce que moi j'ai ce que j'aime en fait. Ouais, tous les chiens que j'ai de chez Jacques, ou tous ceux que j'ai produits et qui sont issus vraiment 100% de Missaudière et tout, c'est mes chiens idéaux. Que penses-tu de l'Amstaff en France? Dis vraiment ce que tu penses. Donc, j'aurais préféré m'abstenir ou avoir un joker. Tu pourras laisser le blanc. Pas de soucis. Ouais, c'est un peu compliqué en fait. C'est la mentalité du français qui va pas en fait. D'accord. Parce que je pense qu'on avait un patrimoine très très intéressant. Mm-hmm. Et comme je te dis, on a produit des chiens qui n'ont pas fait partie spécialement de travail pour des éleveurs. Je pense qu'on manque de solidarité et puis on se tire trop dans les pattes en fait. Parce que il y a vraiment de belles bêtes en France, malgré qu'on dise que le niveau est très très bas par rapport à d'autres pays. Si on était plus solidaires et qu'on voulait pas tous soit la gloire de l'expo, ça pourrait être très très intéressant en fait. Et ça fait des années que ça pourrait être comme ça. Je préférais ce qu'il y avait avant. Mais là maintenant il y a trop de gens qui produisent, tout le monde veut être meilleur que tout le monde croit apprendre mieux que tout le monde. Je pense qu'Internet fait Internet, les forums et tout foutent beaucoup la merde. C'est-à-dire que tu crois avoir de bonnes informations, mais vaut mieux apprendre sur le tas. Mais c'est ça le problème, ouais, c'est le problème des Français, en fait, la mentalité française. C'est chacun fait de son côté, et c'est à cause de ça que le patrimoine il est épuisé un petit peu. On devrait un petit peu plus s'entraider, en fait. Et pas vouloir que la gloire, mais le faire pour le staff, en fait. Oui, pour la race, quoi. Ouais, pour la race à mort, et parce qu'il y a vraiment... ça fait des années qu'il y a eu des chiens extraordinaires, une génétique extraordinaire, moi. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream.